Bonjour à tous et bienvenue sur C17. Nous sommes en direct du Vieux-Port de La Rochelle. J'ai à mes côtés Vincent Humbert, qui est président de l'association Sortilège. Le Sortilège, c'est l'orchestre symphonique. Et vous êtes violoniste au sein de cet orchestre et vous avez plusieurs concerts à nous annoncer avec des connotations orientales. Bonjour. Bonjour. Alors, plusieurs concerts à venir dans la région. Oui, tout à fait. Quatre concerts avec un orchestre symphonique de haut vol. Mais notamment un à La Rochelle, le 3 août, Espace Bernard Giraudeau. Et les quatre concerts sont gratuits, entrée libre, on met des chapeaux à la fin. Ensuite, on va faire des concerts plutôt en Deux-Sèvres et dans la Vienne, donc le 4 août à Saint-Hilaire-la-Palue, voilà, salle polyvalente. Le 5 août à La Quintaine, donc c'est plutôt le Futuroscope. Et le 6 août à Saint-Mexant-l'École, Espace Agapi. Vous avez une jolie affiche intitulée « Reflet d'Orient » avec des invités prestigieux, je dirais. Oui, on essaye tous les ans en fait, de faire découvrir au public alors aussi bien un compositeur, cette année c'est Benjamin Paris, on est très content de l'accueillir, donc qui fait une œuvre pour nous, une création on appelle ça. Donc on est très heureux cette année, ça sera Benjamin Paris. Et un autre Benjamin en invité pour cette fois faire découvrir un instrument, qui est le corps cette année, et on invite Benjamin Chartres. Voilà. Alors il n'y a que des Benjamins, mais de toute façon, Reflet d'Orient, on peut parler aussi des morceaux que vous allez jouer. Oui, alors on l'a intitulé Reflet d'Orient, notamment parce qu'on va jouer un grand classique, une grande œuvre de la musique classique qui s'appelle Scheherazade de Rimsky-Korsakov, voilà, qui est un petit peu le défi de cette année pour l'orchestre, parce que c'est très beau, mais c'est très dur. Donc il va falloir qu'on répète dur. Voilà. Alors 70 musiciens qui vous attendent tous lors de ces concerts, c'est vraiment un grand événement. Oui, alors on est très heureux depuis quelques années, l'orchestre grandit. Et même depuis le Covid, on va dire, on a quand même réussi à garder une activité musicale tous les ans. Et voilà, l'orchestre a retrouvé cette année son nombre, on va dire, maximum. Donc on est très heureux de ça et on a des musiciens qui viennent de partout en France, mais aussi de l'étranger. Cette année, on est quand même super, super heureux d'accueillir notamment 6 Tunisiens qui viennent de l'orchestre de Tunis. Et même dans le contexte actuel, c'est super bien de pouvoir les avoir avec nous, quoi. Eh bien, merci Vincent. Et puis, premier rendez-vous, Espace Bernard Giraudeau, le 3 août. Merci. Merci à vous. À bientôt sur C17 et toujours en direct.